Bonjour Ekonuma, je suis étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Nous sommes ici présents au DIF à Aqua Palace à Douala pour présenter nos prototypes du club génie des télécommunications. Nous sommes venus avec 4 prototypes. Donc, on a le prototype qu'on a nommé PhysioS, qui est un dispositif d'aide à la rééducation. On a un radar laser hybride, donc qui peut servir à la fois de sonar et de radar pour les voitures, pour flasher les voitures en excès de vitesse. On a aussi un dispositif RFID de porte, donc on peut ouvrir les portes de manière numérique avec des badges et autres. Et pour terminer, on a fait une poubelle intelligente. C'est vrai, c'est encore un prototype, mais on peut déjà, elle est déjà fonctionnelle en fait. Donc elle peut s'ouvrir sans qu'on ait besoin de l'intervention humaine et à long terme, elle pourra recycler les déchets. Bon, le DIF nous apporte pour, la visibilité. Une visibilité énorme car ici on a pu rencontrer vraiment des gens qui étaient intéressés par nos travaux, qui nous ont même d'ailleurs menacé que si on ne va pas au bout de nos projets, ils vont s'en accaparer les mérites. On a pu rencontrer des personnes vraiment qui nous ont proposé des améliorations vraiment notables par rapport à nos différents projets. Tout comme absolument tous les domaines dans le monde est évolutif. Donc je pense que ce qui se fait ici sera 10 fois, 100 fois, 1000 fois meilleur encore avec les années à venir. Et vraiment, le club de génie des télécommunications doit s'adapter en fonction de cette évolution-là. Merci Ekonuma et à la prochaine. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en replay sur l'application Ekonuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.